Bientôt comme dans 40. Ouais, bah moi aussi. J'aurais préféré choper une angevine de poitrine. Si y a des enfants, des mômes, des petits, 10, 12 ans, 13 ans, maxi, qui ne voient rien parce qu'il y a des grands devant eux, ils peuvent venir devant, en premier rang, devant les barrières, il y a tout, il y a des petits sièges pour qu'ils s'assoient. Allez, venez les mômes. Et s'il n'y en a pas, si j'ai plus d'enfants dans mon public, j'arrête la chanson. Enfin, j'en ai un, j'en ai deux. Ah, venez, devant. Et ça? Ah non, un plein là. Merci, place. Bon, je veux chanter. Les Français, ces connards, pardon, ces gens-là ont décrété que leur chanson préférée de tous les temps, c'était Mistral Gagnant. On a un sondage. C'est largement exagéré. Si, si, quand on pense à l'œuvre de Georges Brassens, de Charles Trenet, de Jacques Brel, de Léo Ferré, de Jean Ferrat et tant d'autres, on se dit que Mistral Gagnant, c'est franchement de la petite bière. D'ailleurs, je ne vais pas vous la chanter. Peut-être plus tard, pas pour l'instant. Pour l'instant, je vais chanter ma préférée à moi, non pas de tous les temps, ma préférée de tout mon répertoire. Ça commence comme ça. Au-dessus du berceau, une photo d'Arthur. Parfois, estime des hommes, s'il fait du chagrin.